Un tonnerre d'applaudissements pour notre ami Fabien Tribaldi à la voix et Philippe Prédon au piano. Piazzolla, c'était pas un pianiste, c'était un bandoneoniste. Donc on avait soin d'un bandoneon. Et je vais inviter, j'ai l'honneur d'être accompagné ce soir et de faire partie de ce projet, un bandoneoniste belge, Daniel Grussel. Ici, ça s'appelle bandoneon, c'est horriblement difficile de jouer. Donc, c'était l'instrument typique des tangos argentins. Quand vous entendez la musique enregistrée, quelque chose danse, on entend toujours les sons de bandoneon. Mais la petite anecdote, que le bandoneon, c'était créé en Allemagne, c'est pas créé en Belgique, tout près d'ici, tout près, à Düsseldorf, dans une ville qui s'appelle Krefeld. Et où Heinrich Band, que c'est lui qui a créé cet instrument, dans les années fin des 1800, il était appelé pour trois religieuses qui sont demandées de créer un orgue qu'on pouvait transporter dans les églises. Alors, bon, ce monsieur-là, Heinrich Band, c'était un luthier, il a créé un accordéon qu'on peut jouer comme ça sur les champs. Et alors, cet accordéon, il est arrivé à l'exposition universelle de Paris de 1850, et les gens disaient ça, c'est pas un accordéon. Donc ils ont changé les noms, ils sont appelés bandoneon, parce que c'est Heinrich Band qui l'a créé. Donc j'ai le plaisir énorme d'être accompagné pour Daniel, et on va faire la première chanson que Piazzolla a composée avec Horacio Ferrer, qui s'appelle La Ultima Grella. Maestro. La bondad